Ravie de vous retrouver pour un nouveau tour des informations. Bienvenue à tous. Grand concours de lecture, prix Lara édition lancé. Dans le but d'améliorer la pratique de la lecture personnelle, de valoriser la place du livre dans la société et de former des leaders d'opinion, le festival Bénélivre, en partenariat avec les éditions Lara, lance le prix Lara édition d'excellence en lecture. Ce prix est ouvert à tout jeune au Bénin amoureux du livre et de la lecture. Ce concours se déroulera en trois phases et concerne trois grandes catégories. À la fin, plusieurs lots sont à gagner et des distinctions. Confinement, Angélique Kidjo rend hommage à Manu Dibango. La chanteuse béninoise et ambassadrice de l'UNESCO raconte son quotidien dans une vidéo et rend hommage à Manu Dibango, saxophoniste camerounais et légende du jazz décédé le 24 mars 2020 des suites du Covid-19. À l'instar de cette dernière, plusieurs autres artistes du monde, à savoir Alpha Blondie, Fally Ipupa, Tikenja Fakoli, donnent des conseils et incitent les populations à rester calmes et à suivre les prescriptions de sécurité. Toujours le coronavirus, mais cette fois-ci au Sénégal, l'art au service de la sensibilisation. À Dakar, des artistes sénégalais tentent, grâce au street art, de sensibiliser la population à la gravité de l'épidémie de coronavirus. Dans la capitale sénégalaise, malgré le couvre-feu et l'état d'urgence décrété par le gouvernement, les rues ne désemplissent pas. Pour que les Darquois se sentent davantage concernés, ces artistes rappellent avec leurs fresques que les bons comportements sont l'affaire de tous. C'est tout pour les informations d'aujourd'hui. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.